Hello Emma, alors j'ai vu ta vidéo ce matin et je me suis dit que vu que j'avais pas grand chose à faire, j'allais faire une petite analyse vidéo et je t'ai comparé avec Jessica Corda. Alors ta balle là, tu l'as ratée parce que tu l'as prise basse dans le club et sur le talon et on va voir comment. Alors je vais te donner deux trucs. Si on commence d'abord à parler un peu d'équilibre, regarde, je trace un trait ici et donc là on va voir que Jessica Corda elle reste toujours au contact de ce trait alors que toi on peut voir que tu vas beaucoup t'avancer. Donc ça va t'amener à un contact plutôt au talon du club. Tu pars vite sur l'équilibre, sur l'avant, et ça amène le club un peu par-dessus et contact un peu de talon. Donc ça, c'est une question d'équilibre, et il faut vraiment avoir l'impression dans le downswing que la hanche gauche, elle part en rotation vers l'arrière. La deuxième chose que je voudrais te montrer aussi, regarde, quand tu prends le backswing, donc là, ton club, il est quand même très... ton bras est très vertical, hein, tu vois, tu as du mal à passer dessous. Jessica, on voit que même s'il est très vertical, il passe facilement sous le menton. Mais bon, ça, c'est pas le point principal. C'est quand vous êtes en haut du backswing, tu vas voir que Jessica Corda, elle arrive... Son club, il descend beaucoup plus bas que le trait vert, alors que toi, tu arrives à la corde du trait vert. Tu es vraiment légèrement par-dessus. Et donc ça influence un truc, c'est le point bas du swing. C'est-à-dire que Jessica Corda, on va voir que quand elle arrive à la balle, le club est beaucoup plus bas. Tu vois, il touche presque le sol, alors que toi, ton club, quand il arrive à la balle, il est très haut. Donc il arrive très par-dessus. On appelle ça le point bas du swing. C'est-à-dire que Jessica Corda, elle a un point bas du swing légèrement derrière la balle. Alors que toi, ton club, il est toujours en train de descendre. Donc tu prends la balle en descendant, basse dans le club, donc c'est pour ça qu'elle décolle pas. Donc il faudrait que petit à petit, bah, tu t'entraînes à faire un point bas du swing derrière la balle, quitte à toucher le sol, la prendre en remontant, et c'est là où tu vas les centrer et elles vont commencer à bien voler. Allez, bon golf! Ah oui, petit finish. Je vous montre le finish. Joli finish pour toutes les deux.